Ah, attends, elle a vendu elle ou pas? Ouais. Ah oui, elle a vendu, ouais. Yes, elle a vendu. On est à 322. Enfin, je suis à 322. Elle a vendu. Attends, je me permets. Vas-y, dépense ta thune. Clac, clac. Fais-toi plaisir. Ah, c'est le moment d'améliorer nos personnages. Eh ben, crois-moi ou non, j'ai plus de blues. De flouze. Ah. Mais si, t'as encore 1100, là. Ouais, mais c'est pas assez. Vas-y, je te suis. Mais tu vas les perdre si on va dans le donjon, donc tu veux oui, pas oui, bah, les vais, dépenser quelque part. Je vais trouver un truc dans lequel les dépenser, mais... Genre de la vie, tu veux pas de la vie et de la magie, là, ici? Ah, garde un petit peu de sous, on va aller voir la taverne, vite fait. Hein? Après. Vas-y, dépense. C'est bon. Oh là là, c'est ça, dépense. Oh, 47, c'est bien pour la taverne. Ouais. Bah, on sait pas, hein, on n'a pas encore engagé. Ah, on s'est mis tellement bien. Mais oui. Ah la vache, et en plus on a atteint le troisième étage, donc ça veut dire que techniquement on peut avoir le boss. Oh là là, mais on est incroyable. On est incroyable. On a toujours été incroyable. On est totalement phénoménaux. Même on a eu de la chance dans la progression au niveau des pièces parce que c'était que des pièces assez faciles. Putain, en vrai, le marais m'a mis super mal ce donjon, je trouve on le maîtrise bien mieux. Le marais était rigolo, très ça, compliqué. Hein. Tu t'en sors? Ouah, le mec il est redescendu à 136. Il a tout fait en vie. Ouais, mais je suis monté à 350 PV. 355 PV, s'il vous plaît. La taverne. Parce que moi, je perds souvent de la vie quand on fonce comme ça. C'est quoi déjà ici? Ici, c'est une échoppe, un magasin. Ah oui, c'est vrai. Pour acheter des bombes, des trucs comme ouais, ça, des flacons. Des bateaux, c'est vrai. Je sais pas voilà. Où t'as construit. Ah oui, c'est vrai. Moi, je veux TP. Je sais pas non plus. Tip top. Et en plus, on sait pas à quoi ça ressemble. Ah, bonjour. Ah bah, c'est ici. Bonjour. Parler. Ah, un collègue héros. Ah, c'est... Tu sais de quoi je parle, hein? Ouais. Tu sais. Toi et moi, on passe notre temps à combattre des monstres et tout ça et tout ça. Je suis pas pété, c'est pas vrai. Ah, mais tous les héros sont pareils. Hein. C'est ça. On fait tous la même chose. Oh, salutations. Qu'est-ce que je te sers, gamin? Oh, on essaie de garder ses sens affûtés pour partir aventure, hein? Eh bien, j'ai tendance à entendre des choses de temps en temps. Si tu veux discuter, échanger quelques histoires, tu sais où me trouver. D'accord. Y'a pas une histoire de jeu ici? Bah, je croyais, oui. Vas-y, toi. Eh, salut, ça te dirait une petite danse? Grrr. Mais... Visiblement non, super. En plus de groupies, toutes mes excuses, je dois me concentrer. Mais, y'avait une histoire de on peut faire des jeux ici? Bah oui. Y'avait une histoire. Qu'est-ce que je te sers? Comment ça marche? Ah, il aurait dit la même chose. Attends. Bah, peut-être que c'est plus tard. Hein. Ouais, c'est peut-être une upgrade. Ou peut-être qu'il faut faire des quêtes annexes, je sais pas, moi. Ah. Je sais pas quoi dire. Je faisais mes devoirs. En tout cas, très jolie musique. Tout à fait. J'irais bien voir notre ami Nick. Ouais. Pour le matériel. Oh. Ah, c'est vrai, il y a ce gars-là aussi. J'avais oublié. Ouais. Il y a trop de choses à upgrade. Alors là, ah ouais, c'est vrai que vous existez, monsieur. La quête, on la prendra plus tard. Là, il y a le sport. C'est quoi déjà ça? Ah bah, c'est Nick. C'est Nick. Parfait. C'est quoi ça? Devant Nick, t'sais. C'est quoi? C'est quoi ça? Demande-t-il à Nick. Oh, putain, il nous faut des noyaux électriques. Autant les ailes, ça va, parce que c'est les chauves-souris, on en croise. Autant les noyaux ouais, électriques. Les noyaux électriques, ça peut pas. Ok, bah, on réenchaîne. Ah, attends, oui, les légumes, comment ça fonctionne? Je sais pas, j'imagine qu'il faut des graines, une carne comme ça. Ouais. Parce que là, visible. Yeah. En fait, c'est un terrain de foot. Oh, une bombe. Quelqu'un avait caché des bombes sous ce buisson. Ah, quelqu'un a caché de la vie ici. Quelqu'un a caché une bombe dans ma ferme. Quoi? Mais c'est une menace. Alors, il n'y avait pas à comprendre pourquoi mes choux explosaient en mille morceaux. Je commençais leur donner pilon des choux explosifs. J'ai jamais eu de légumes, mais j'ai toujours eu de la soupe. Tu me diras, ça faisait le travail en moins. Hein. Ok. Pourquoi t'as trois joyaux et... Arrêtez, je prends la thune. Ouais. Ok, étage 2. Étage 2. 600 déjà. Bien joué. On vient d'arriver, on n'a pas fait un pas dans le donjon, 600 balles. Allez. 600. Let's go. Vous avez... Vous avez bien... Oh, double. Oh la vache. Arrêtez, mais... Oh bah s'il vous plaît. Ah non, mais là... Ah, c'est trop. Non, vous nous voulez quoi. Ok. Vous nous désirez. Ok. Après, ici, il y a des choses. Hein. À côté après l'autre. C'est bon. Super. Ok. Super. Il y a deux hôtels à embraser en bas. Ah, attends. On va tous les deux se préparer. Voilà. Oh bah d'accord. Oh bah let's go. Oh bah let's go. Préparation, ouais. Oh bah let's go.
Hop, on va voir. Allez, 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 allez. Sois là. C'est bon. Bien wesh. 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 Bien. Escape. Bien wesh. C'est move. Ah, ça bouge, ça bouge. L'autre côté, ça bouge. Ah oui. J'ai tout vu. Ah, je l'ai vu, monsieur. Oh la nique ta mère. Merde, mais pourquoi j'ai fait ça au fait contre, Pourquoi j'ai niqué tout le reste Par contre, j'aimerais de la thune, monsieur. Mec, il a pas compris, il a acheté tous les pots. Oh, moi je viens pas gracieusement dans les donjons. Oh, c'est un lieu paisible. Un lieu paisible. Ah, attends, non, prends pas tous les buissons, rappelle-toi, ça peut donner de la vie et tout si on a besoin. Ah, moi je prends aucun buisson. Ok. Non, mais attends, mais on a de la chance sur ce donjon là. Moi je suis contre la déforestation, monsieur. Tout à fait. Ok. Je suis un héros vert, moi. Je suis un héros vert. Oula! Ça va? Il a tapé. Bah ouais, il a juste tapé sa meilleure esquive. Ah! T'es full life, t'es full life. Ah. Justin, j'ai plus de vie. T'es mid-life, t'es mid-life. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On maîtrise, on maîtrise. Oh, heureusement qu'à un moment, les coups, j'ai décidé de devenir un mage, hein, parce que... Ah bah mec... Incroyable. Putain, il fait des 138 de dégâts. Bon, je... En fait, ça bouge, je coupe, ça bouge. Je prends la gros. Ça bouge trop comme mob. Hein. Okay. C'est bon. 200. On est là. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pot qui bouge et un million de pièges au sol. Attends. Ok. Ça, je l'ai vu. Oh mec, tu m'as fait tellement peur. Oh, je l'ai vu. Ok. Ok, ça c'est bien. Ça c'est de la bonne tunasse. Ça, on apprécie. Ah. 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 Ça c'est. Ça c'est un peu troll. Un pot qui donnait de la voix de ouf. C'est l'histoire d'un pot qui donne de la vie mais qui te tombe sur la tête. Ok. Ok. Oh les bâtards. Ça va aller pour le serpent ou tu veux mon intervention? Voilà. Ok, ok, je ferme ma gueule hein. Voilà. Pas de soucis. Voilà. Ah, bravo. C'est lequel déjà? C'est les deux qui restent là. Les deux qui restent, c'est les serpents. On s'arrache. Écoute, écoute. Écoute, j'ai décidé de faire le jeu en mode pacifique. Moi, je n'ai jamais aimé la violence. À un moment, je me suis dit, pourquoi pas. Undertale m'a appris bien des choses. Je n'ai pas commencé à étudier la magie pour taper sur des trucs. C'est ça. Hein. C'est ça. Alors, il y avait moi, là-bas, j'ai fait de la magie de la glace pour faire des cocktails. J'ai toujours voulu devenir barman. Au lieu de ça, je suis devenu mage barbe. Et qu'il a pas compris. Yes, encore un putain d'arc. Super, un arc. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Youhou, un arc. Je prépare. Oula. Je prépare mes réponses pour Noël. Attends, il nous en faut pour les pelles. Excusez. Hein, j'avais pas écouté ce que t'as dit, je t'avouerais. Je disais, il nous en faut. Il y a un moment, ça a arrêté de m'intéresser. Oh. Oh. Ah merde, 114. Vous le dites si je vous emmerde, hein. Eh bah, puisque t'en parles. Hey, oh. Delicious. Putain, ça commence à faire vous des... Il nous emmerde. Ah, t'as une clé, toi. Bravo. Bah merci, ah, je mais crois. Mais marrant, c'est bon de dire comme ça, mais... Ouais, c'est ça, en fait. T'as une clé, bah, bravo. J'ai ça, plus ça de pile, comme ça dans j'ai ma tête. Plus de pile. T'as plus de pile. Mais au moins j'ai la maille. J'ai la maille. J'ai la maille. Sur toute la map, par un ver de terre. Écoutez, je vous emmerde. Écoutez. Je voulais le dire, monsieur. Je voulais... Cordialement, ah, je suis mort. Dans ce débat, je vous emmerde. Ah, je suis mort, j'avais oublié que leur bave d'escargot nous tue. Fais gaffe, hein, ah, oui. Ça fout des dégâts. Mais merde. Alors par contre, si tu veux, tu peux... La pièce, ouais. La putain de pièce. La pièce. Quelle pièce? Là. Ah, tu la voyais pas? Ah bah non, mais elle était que non, dans mon... voilà, bah si tu veux, il y a deux hôtels pour Résuscite au début de l'étage. Pour Résuscite? Ah mais Résuscite, c'est Résuscite, Fräulein. Okay. Moi qui voulais Résusciter. Moi qui voulais Résusciter, y'a avant. Il reste un mob, voilà, et il fallait que ce soit le pire. Il fallait que ce soit le pire, hein, vraiment. Sans surprise. Sans surprise. Nya. Ah, ça me rappelle la maison, hein. Nya. Voilà.
Y'a un Fraulein. Oh, y'en avait un là ? Oh, je l'avais pas vu. Bah oui. Oh, bien joué. Bon, après, si tu veux, je le laisse. Hein. Ah, je te reste pas ici. Si monsieur veut se faire raise à des endroits particuliers. Moi, j'aimerais faire raise plutôt près d'un lac, dans un petit chalet plutôt calme. Je vous emmerde. Avec un petit point d'eau pour pêcher. Attends, je n'ai pas toute ma vie. Parce que Fraline. J'adore le poisson pané. Je n'ai pas toute ma vie, Fraline. Et moi, je vais dans la prochaine salle seulement si j'ai vraiment tous mes points de vie. Parce que la vie, c'est le cœur et moi, je crois en la force de l'amour. C'est bon. La zone a été pacifiée. Et en plus, on a récupéré des flouzes. Ah non, pas. Oh, je suis vraiment content qu'on ait investi pour s'acheter un mage dans l'équipe pour qu'il puisse couper l'herbe. Hein. Je trouve un peu arrogant là, monsieur Dia, pour le coup. J'estime avoir ma place dans cette team. Je commence à moyennement apprécier cette forme de. Appuie sur le bout. Merci beaucoup. Oui, maître. J'en ai ras le cul, lui. Oui, maître. C'est une pièce unique, il faut. Avec moi, vous ne ferez jamais demi-tour. Ah, c'est moi qui ai la clé. J'arrive pas à voir. Oh. Oh merde. J'arrive pas à voir, putain. Je vais passer par le trou. Ça va aller. Ça va aller. Tu veux que je te tienne la bouteille? Ça va aller. Ok. Ah oui, on a ouvert la porte. Ok, d'accord. Oui, maître. Ah oui, merde, c'est... Oui, c'est le bouton qu'il faut pour la lave. Mais oui, ça tombe bien, il y en a un. C'est quand même fou. Attention, ça explose. Tu t'en bats les steaks, mais d'une fois. J'étais dans le couloir de la prestance. Admirez mon charisme. Si un pic arrive, j'arrête avec mes amis. Marie! Marie! Science! Science! Techno magie! Techno magie! Techno futur! Mec, je fais des vrais dégâts! Enfin! Ah, bravo! Ah, c'est la petite mémé à qui t'achète tout là qui serait fière de toi! Ah, bah là, laisse tomber! Elle va me revoir avec mon bébé! Bon, elle te voit, elle est déjà en mode mon meilleur client. C'est ça. Oh, oh, attends, ça sent la zone de clé, ça. Ah, pas du tout. Attends, elle sert à quoi, cette zone? Bah déjà, comment comment, ok. Ah, putain, j'avoue. Comment? Ah, merde à la fin. Putain, oui, comment? Oh, tu penses qu'il faut attirer la merdasse, là? Oh, drôle. Attends, elle vient, si, c'est ça, elle vient c'est vers drôle. Moi. Je sais pas. Assemble. Ah, attends. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Attire le gros. Voilà. Voilà, là il a bien pris la gros. Maintenant qu'elle me voit. Là, il faut. Ouais. Oh, mais t'as un dieu, mec. T'as un dieu. Ok. Ok. Je t'attends sur l'autre bouton. Comme ça, quand t'alliras sur le bouton, ça sera bon. Ok. Viens me voir. Oh, mais c'est drôle quand même. C'est drôle. Ouf. Let's go. Oh, bravo. Oh, j'y ai pas du tout pensé. Mais t'es vraiment l'érudit du groupe, hein. La science. Le puits de savoir. Le puits de savoir. C'est... Aïe. Le savoir, ça fait mal. Oh, oh oui. Le savoir, ça casse les couilles. Oh, il s'est enfin pris un petit pic de merde. Le savoir, ça casse les couilles. Heureux sont les ignares. Heureux sont les dents. La connaissance est un fardeau. Ah, mais il reset à l'infini. Avec le bouton reset. Le reset, c'est pour faire revenir le monstre ouais, mais au cas où tu l'as bloqué. Tu peux le farmer à l'infini. Ah, par contre, attends, la salle ne mène à rien. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, elle a mené à un moment de franche camaraderie et d'amitié sincère. Hein. Ah, on a trouvé la porte du boss, j'avais pas calé. Oh, mec, attends, on a tellement exploré la map qu'en vrai, il doit rester genre une zone par là-bas. Et après, c'est le boss. Et en c'est, fait. Même pas une zone où, c'est même pas une zone où on a fui en étant paniqué en plus. Hein, pas ah, incroyable. Je savais pas que ça existait, moi. Attends. Allez, ah le coup putain, des c'est là. Aïe. Les torches en inversé, c'est parti. Ah oui, non, mais c'est la même salle en inversé.
Non, c'est elle en fait. Ah oui. Regarde, il y a déjà le coffre ouvert. Ma mère. Bon, c'est fou. Quelqu'un est passé par là. C'est incroyable. Oh là là. D'accord, maintenant il y a des tourelles. Hein. Oh putain, j'avoue. Je l'avais pas vu. Mais comment on passe? Grappin. Est-ce que le grappin passe? Ah. Grappin, on a rien à foutre. Comment on passe? Ah, peut-être qu'on peut le faire tirer dans le truc. Ah oui. Par là, tire en diagonale. Ok, bien vu. Voilà. Ok, bien vu, tu es un génie. Ah, attends, il y a beaucoup de boutons. Oh, mec, il y a 5 boutons. Go. Ok, il faut juste le contrôler. Go. Go. Ok, j'en ai activé 2. J'en ai activé 2. Ok. Là, il faut qu'il active un truc, vite. Yo, wesh. T'es un génie. Oh, il y a la clé du boss. Oh. T'es un génie. Oh oui. T'es un génie incompris. Oh. T'es un génie incompris. Qu'est-ce qu'il dit? Pas ici, mec, il y a un mur. Pardon, excuse-moi. Super. J'étais en train de réfléchir. Non, mais pas de soucis, t'es un mec en or. Hein. Fuyons. Ouvre la porte. Merci. Ah, attends, on a pas la clé. Le mec, il a fait la moitié de l'énigme. Attends, comment on... Attends, il manque un truc, là. Non, mais attends, comment on... Comment Est-ce qu'on peut le péter, lui? Peut-être. Attention, il te vise, hein, si tu te rapproches. Oh, bien tenté. Joli coup. Oh. Mais comment on fait? Non, il s'en bat les couilles. Comment on fait? S'il en avait, en tout cas. Tout à fait. C'est... Attends. Très bonne question. L'énigme est profonde. En tout cas, elle te la met profonde. Ah bah là. Yes, c'était le moment de demander les infos. On a bien fait tous les boutons. Oh les bâtards. Oh les bâtards, je l'ai vu le truc. Je l'ai vu. Ok. Sors-moi de là. T'es à côté de l'entrée. Ah. Ah oui. Ah bah en fait, non, mais c'est bon. Je pensais que c'était compliqué, mais let's go. Par contre, attends, il me faut juste de la vie. Je dis, il faut que tu bouges et tout. Il faut juste de la vie. Parce que là, si on déplace ton avatar virtuel. Si on attaque le boss. Wow. Je suis full mana donc je peux faire full dégâts. Il faut juste un peu de vie. Ok. Objectif Ranta. Let's go. De la vie. Ok, par là. Ah, ici on peut pas passer. Okay. Oh là là. Fait de parcours avec un AK. Ah. Je me suis pris 137 de dégâts. Heureusement qu'on a chopé de la vie. De ouf. Mes testicules saignent. Et c'est dire. J'ai mal. Je souffre. Qui aimerait avoir les boules en sang? Personne. Tout à fait. Donc là on a poncé l'étage, sauf que du coup j'ai 12 PV. Yes. Est-ce que tu te ressens gagnant de cette opération? Oui, non, pas du tout. On hésite. Ne se prononce pas. Ne préfère pas dire ce qu'il pense de tout ça. Et là, on a ratiboisé la zone. Ah bah alors, on s'est plus désarmé? Mais merde. En fait, limite, il faudrait que je me laisse mourir par un truc et que je récupère Tiens, elle est bleue, vert. Cette salle, elle est pas verte. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait. Drôle. Attends. C'est juste se prendre un vieux piège. Hein. Bah bravo, vous avez tout fait maintenant. C'est ça. Non mais attends, elle reste encore. Elle reste encore la mauvaise couleur. Hein. Par là, il y avait quoi déjà? Ok, par là, on s'en fout. Oh mec, j'ai pas de vie. Hein. Bon bah, tu vas te taper le boss en solo. Hein. C'est quoi déjà le bouclier? Okay. Bah non mais je vais essayer de t'accompagner mais ouah c'est chaud là. Et bah bonne chance mec. Oh purée. Oh là c'est quoi ça? Bonjour Kemieror. Kemieror. Oh la musique. Waouh. Ah. D'accord. Oh par contre la musique est très... Ah. Attention ah, au truc qui tourne. Oh mon dieu non. Ok mais j'ai pas vu que j'allais avoir des flammes où je suis. Ah ok, ça te prévient quand ça va... Ok, ça te prévient quand ça va faire des dégâts. Je vis comment, là? Là, tu vis bien, là.
Ok. Oui, bien sûr. Faut que tu tapes le vrai. Je sais pas qui est le vrai. Ah, c'est lui. Comment tu sais? Ah bah oui, maintenant je sais plus qui c'est. Je crois que c'est celui tout à gauche. D'accord. Lui. Je crois que c'est lui. Ok, vas-y, toi tu gères le combat. Ok. C'est pas lui. Dès que t'as trouvé le vrai, je le suis. Ok, c'est lui. Oh, mec, il prend tellement cher. Ah, il faut que tu frappes son caillou. Tu m'as géré ma mana. Là, enfin, ma mana, à droite, pas du tout, en bas. J'essaie de survivre. Ok, pardon. Oh. Eh, mais par contre, attends, tu lui fais v'là les dégâts, en fait. Vas-y. Parce que je lui renvoie ses projectiles. Ah, ok, d'accord. Ok, en vrai il est pas si dur, tu peux le maîtriser. C'est toujours le même normalement, hein, s'il a pas bougé. Toujours le même. Oh là là, mec, tu lui as fait fondre sa life. Oh. Mais oui. Mais quel champion. Oh là 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 là. Voilà moi. Waouh. Mais par contre, les boss. Les boss, c'est une blague. Maintenant, je prends le cadavre de mon ami mort. Et techniquement, il va encore finir le donjon. Pardon, excusez-moi. Mais les envoie pas sur moi. Mais il récupère la maille. Mais j'ai peur que tu renvoies tout de suite un pot, c'est pour ça. Non, c'est oui. Bon, tranquille. Bravo. 7000. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Un bâton. Je sais pas. Ah. Oh, attends, tu peux faire de la magie, là. Utilise ton bâton. Hein? Approche-toi plus. Oh, je fais apparaître un pont. Quoi? Ah, il est pas apparu chez moi. Qui autrement est cassé. C'est pour revivre les choses du passé. D'accord, bah moi il est pas apparu. Voyez-vous. Nyaha! Bravo. Victory! Bah écoute, beau gosse. Oh bordel, on l'a fait. En fait, tu passes ton temps à faire les donjons en solo. Non mais c'est vrai, l'aboutissement des donjons, il le finit toujours en solo. Hein. Je finis toujours par me sacrifier dans la bataille. Ah. Toujours. C'est beau quand même de... d'essayer de me mettre en valeur comme ça, faire exprès. Ah bah le vrai héros. Le Chimérore n'est plus, et l'influence de Firotech diminue. Mmh. Ton dernier défi est arrivé, héros. Va au nord d'Intori et escalade le pic glacé du mont Sekoset. Tu trouveras le quatrième grand donjon, le temple de Kryomar. Incroyable. Bah écoute, je te propose, parce qu'on a encore une petite quarantaine de minutes, si tu veux on peut faire des quêtes annexes. On a pas mal de choses à faire au village. Parce que je pense que si on engage vers le nord, on en a pour un peu plus d'une heure, vu qu'à chaque fois on met un épisode presque pour moi. Pourquoi j'ai fait ici? De toute façon, l'un ou l'autre, hein, parce que à chaque fois c'est des mini-quêtes pour arriver jusqu'au donjon avant que le donjon se lance. Ouais, c'est ça. Et d'abord dépenser la thune. Hein. Tout à fait. Alors, allons-y. Je laisse augmente la quantité de dégâts bonus. Ok, arbre de compétences. Compétencé. C'est bon. Oui. Oui. Est-ce que tu veux encore acheter quelque chose? Je vais acheter de la vie, mais tu voulais aller ici du coup? Ouais, bah écoute, vu que j'y suis. Ah bah non, tu sais quoi, je vais compléter ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que le renvoi des projectiles, c'est ce qui a facilité les choses. Hein. Ouais, on va pas se mentir. Ça casse les balles molles d'un coup d'épée. Ah, c'est ça ton truc! J'en ai deux, t'as déviation de balles. C'est dévie les balles magiques d'un coup d'épée, c'est au début en bas. Au début en bas. Et j'ai fracas de balles aussi pour fracasser les balles molles. Mais là, c'est surtout là. La déviation de balles magiques qui a joué en notre faveur. En notre état des. Waouh! Oui. Oh, ça fait une vision à la Zelda. Oh, j'ai vu tes sous, ils ont fait moins 3000. Ah oui, les gars de. Ok. N'oublions pas qu'il nous faut des noyaux électriques. Je sais pas où on peut avoir les mobs en question qui ont ça. Ah, je sais pas non plus. Mais c'est vrai que ce serait bien si on pouvait se rouler une pelle. Attends, on a un bestiaire, on peut checker. Mais il est vrai. Parce que ce bestiaire, on l'utilise pas. Rappelez-vous qu'on peut livrer. Alors, on se les bat pour le remplir. Livrer. Carrément. On peut se livrer à d'incroyables activités. Clé. Alors je ne vois pas le mob en question. On n'a pas dû l'ajouter. Ah, il est entre le rampant et le Vurmulon, le petit poulpe qui devient électrique là. Mais on l'a jamais livré. Poulpe qui devient électrique. Ah oui, c'est bien vu.
Ah, mais on l'a croisé une fois, ça. C'était dans le tout premier donjon. C'est dans le premier donjon qu'on le croisait. Et tu penses qu'il faut qu'on retourne dans le donjon? Je pense, hein. Mais parce que en vrai, tant qu'on n'a pas la pelle, on peut pas avoir ta classe, etc. Hein. Donc en vrai, oui. Moi, ce que je te propose, on va checker rapidement les quêtes, là. Et ensuite, on va se rapprocher du premier donjon, vu qu'il est juste à côté. Ouais. Okay. Et bah, go, quoi. On parle au gars qui avait le point d'exclamation, du coup. Le fermier, ouais. Ouais. Tu veux peut-être t'acheter de la vie, du coup. Ah non, t'as acheté d'autres trucs. Ah, attends, ici. Il y a une quête qui a apparu. Bonjour. Ouais, je Ah, mais c'est sûrement pour nous dire la prochaine quête de l'histoire. Ah, bien vu. De plus en plus de gens veulent emménager à Intoli. Ah, bah voilà. Je peux pas leur vouloir. Villageois. Je peux bâtir davantage d'habitations, mais tu te charges de l'urbanisme. Indique-moi juste où commencer mes constructions. Ah. Ah, des maisons. Ok, bah je peux en acheter une. Ah, bah bravo. Écoute, let's go. Let's go. Je finance. Ah, oui. Écoute, on va financer comme ça une deuxième maison. Alors, à quoi ça sert les habitations concrètement, du coup? Bah, à propager déjà la joie dans le monde. Bien vu. Parce que ça fait moins de personnes qui doivent vivre dans les forêts pleines de monstres. Il a installé deux maisons. Ah, on a découvert des nouveaux meubles aussi avec ça. On peut plus. On peut plus. Alors, attends, qu'est-ce que ça a fait? Attends, je crois que... comme ça, on peut aller voir les gens dans leur maison et faire ah, bah alors, vous êtes contents. Vous savez quoi? Je suis monsieur le maire. Ouais, il y a une quête du côté de la vendeuse de fioles aussi. Ok. Ouais, en fait, on peut juste tout casser chez eux, quoi. Non, mais alors attends. Tu peux s'asseoir sur une chaise. C'est ça. C'est quoi l'intérêt concret? Ah, bonjour. Bonjour. Vous nous avez vraiment construit un bel endroit. Mes compliments à Griffe. Et bon, un plaisir. Okay. Alors, je pense que c'est vraiment pour remplir l'espace. Ouais, mais ça aurait été bien que t'aies un apport, genre plus de matériaux, plus de trucs, plus de ceci, plus de cela. Ah oui, il y a une quête. Ouais, prenons les quêtes. Prenons les quêtes. Oh, on est jamais venu ici. Bonjour. Mais non, on l'a construit avant d'aller dans le donjon. C'est vrai. À toi, Joe. Ah, tu vas adorer avoir un lieu où préparer des potions en ville. Commençons par les potions de santé pour tenir un peu plus longtemps dans les donjons. Tout à fait. Voici du fil provenant de mes anciennes robes de préparation. Cool. J'ai entendu dire qu'il pourrait être utile. Oui, c'est l'une des classes. Incroyable. Le fil de sorcière. Incroyable. Et du coup... Ah, ok, donc pour préparer une popo, il faut qu'on construise des ressources. Incroyable. Santé, magie, vitesse, mets du peps dans ta démarche, 20%, ok. Force pour faire plus de dégâts, acier pour subir moins de dégâts, et pousser pour avoir plus de récupération. Bah écoute, moi j'ai traditionnel, j'ai fait une potion de santé. Hein. Comme ça, je l'ai. C'est vrai que t'es plutôt tradi, toi. Ouais, mais limite, j'aurais dû faire du mana. Ok, bah sympa. Pourquoi je vois ton perso courir sur place? Voilà, j'ai une petite popo de santé aussi. Ok, Bandai. Let's go. Je suis incroyable. Très content. Est-ce qu'elle se met dans les objets raccourcis? Oui, elle se met dans les objets raccourcis, ouais. Du coup. Ouais, parce qu'en fait, ça remplit ta fiole. Bah, mon fiole. Ma fiole. Donc là, c'est... Il y avait, du coup, il est où le vieux, là? Il est juste à côté de la ferme. Attends, j'essaie juste de me rappeler. C'est quoi, ici? Oh, c'est mec, c'est l'endurance. À un moment, il faudra le faire, ça aussi. Ah bah, moi, j'ai déjà commencé. J'ai les trois premiers qui sont, qui sont full. Ok, alors Nick, on a toujours pas assez d'ailes de chauve-souris, je suppose. Sur le coup, j'ai pas tilté que tu parlais du perso, ouais. J'ai senti une certaine rage. Ah oui, d'accord, Nick. Niquez-vous. Ok, non mais faut vraiment qu'on aille chercher des noyaux électriques. Oh, des glands. Ah bah, oh. Il est là, monsieur. Un papillon. Oh, il y a une demoiselle aussi. Vas-y, demoiselle d'abord. Ah bah oui. Allez. Je t'en prie, héros. Grish m'a dit que tu étais quelqu'un de fiable et j'ai désespérément besoin d'aide. C'était le rêve de mon petit ami, Hank, il a 6 ans, de naviguer vers Tassoupia. Mais nous sommes échoués sur la côte. Je ne l'ai pas vu depuis notre naufrage, mais je sais qu'il me cherche là-dehors. Ah. Je t'en prie, héros, aide-moi à trouver mon Hank. Ok, donc je suis sûr qu'il n'est pas du tout avec 5 autres personnes, tranquillement, en train de se faire un RM. Tout à fait, à la taverne du coin. Oh, pardon. Salut, je ne veux pas être désagréable, mais ce lopin de terre a été bien triste allure. Ferme-le. Arrête de me regarder comme ça, toi, d'abord. Ouais, d'accord. Il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose, mais il faut que tu t'en occupes. Je suis fermier, mais j'ai la flemme. Nié? Comment ça, t'as pas d'outils d'agricole? Quoi? Ah, brave. Maintenant que tu le dis, je suis passé devant une vieille grange à l'est d'ici, mais la porte était fermée par la rouille. Oh non. J'ai essayé de fracasser le bousin, mais je veux te dire, cette porte était plus têtue qu'un brouteur grincheux à l'heure du déjeuner. Ah, on y est déjà passé, c'est la ferme rouge tout à l'est. Allez, le marteau. Ouais, c'est ça. Si t'arrives à y rentrer, je pense que tu pourras trouver quelque chose pour t'aider à retaper ce lopin de terre. Il va te falloir une pelle et un arrosoir. Oh, et prends ce sac de graines. Avec ça, tu peux récolter des graines de n'importe quelle culture. Il nous faut la pelle. Bordel. Greu.
Mais avec un peu de chance, on peut aller à la ferme et voir si c'est pas une manière alternative de choper l'appel aussi. Dans tous les cas, il fallait qu'on y aille. Il nous a filé une quête concrètement, j'ai pas vu. Je sais pas, attends, je bute juste lui là. Oh, le mec il a fait 109. Quête annexe, terminer le mausolée. Trouver le petit ami de Julia, obtenir des outils agricoles. Lui il nous a filé une quête. Dans les quêtes annexes. Ouais, mais en gros c'est obtenir terminer des outils. Terminer le mausolée, c'est la quête pour ma classe. Collecter toutes les classes, c'est un truc de fil rouge. Collecter des champignons, et toi t'as un autre truc de collecter, c'est pour les fioles. Trouver le petit ami de Julia, c'est la petite qui nous a dit trouver mon Hank. Et obtenir des outils agricoles, c'est ce que nous a donné le vieux à l'instant. Tu peux pointer une quête? Tu peux dire genre focus cette quête là? J'aurais aimé te dire oui, mais j'ai l'impression que. Mais la réponse est non. Bien que j'adore pointer. Quoi? D'accord. Je me serais passé de cette réponse. Ah bah vous allez devoir faire avec, monsieur. Tu sais, on a enfin une vraie portée à l'épée. Quand je fais un coup critique. C'est moi où on récupère tous les trucs de slime qu'on avait jamais eu l'occasion de récupérer avant. Aïe! Oh, on en avait déjà avant. Putain, il faut la pelle. J'étais en train de penser qu'il y a un clairement, on a... haut à gauche là, mais on a encore pas la pelle. C'est par où la ferme? Je te suis complètement. Oui, t'inquiète. On y va. Let's go. Normalement, la ferme elle est à peu près par là, mais je crois qu'à un moment faut monter puis descendre. Ah, il y a toujours c'est ce truc à aller chercher. Ce petit dandinement de... Ah, ça c'est le mausolée. Ce petit dandinement de la tête des persos quand ils marchent. Là. Ok. Ça me bute. Y'a quoi par là? J'ai cru qu'il allait avoir une entrée secrète. Je sens l'appel de la nature. Cimetière de mort neuf champs. Oui, ça c'est pour la quête du mausolée. C'était pas par ici? Non, c'était juste à côté du donjon en fait. Juste en dessous du donjon, donc techniquement ça devait être en haut là. En haut là. Voilà. Ça alors on y est presque. C'est juste une maison? Oui, c'est là. Ah oui, ici. C'est là. Bravo. T'es sûr que c'était le marteau? Comment tu sais que c'est le marteau? Non, c'est pas le marteau. Ah merde. J'étais persuadé. Un coup porté à... Ah non, un gant. On n'a pas de gants. Je crois pas, hein. Ça me dit rien. Bon bah, c'est pas pour maintenant. Au fait, du coup, la vision magique, elle sert à quoi, là? Bah, dans le donjon, ça servait à revoir le pont lorsqu'il n'était pas brisé. Oui, ça, d'accord, mais... Ça permet du coup de passer sur le pont qui n'est pas brisé. Là, par exemple, tu vois, je l'ai activé. Mais on voit c'est un clé-porte en fait. Faut que tu te retrouves dans une situation où il y a un objet spécifique qui va être reconstruit par la magie. La magie. Et derrière, ça te permettra de passer par exemple, des trucs comme ça. Quoi. Ok, alors attends, parce que là du coup, on se dirige vers. On se dirige vers le donjon. Raconte ce qu'on a jamais. Mais est-ce qu'on veut. Bon, allons chercher des. Des noyaux électriques? Des gélules là, ouais. Des gélules. Qu'est-ce qu'il raconte? L'industrie pharmaceutique des donjons. Let's go. Ah mais en vrai, par contre ils vont nous dépouiller. Hein, go avoir une pelle. Hein. De nos gemmes. Mais bon. Oh mec, au pire on en a 150. C'est... Ah par contre du coup là on va gagner quoi, 150? Oula. Bah on va pas gagner grand chose. Oui. Pourquoi on a tous les tutos d'un coup là? Parce que c'est branché au premier donjon je pense. Okay. C'est branché sur ta progression. Ah bah alors perso, je viens d'avoir la 6ème aile. Ah bah bravo. Donc je suis à ça d'avoir une pelle. Suis vraiment à ça. Ouais, c'est ça. T'as fait quoi de one-shotter les monstres? C'est plaisant. Ah, c'est quand même vachement sympa. Ouais, hein. Je les tue juste pour le plaisir. Ok. Ah bah du coup on se posait la question, mais oui, on peut effectivement. On peut revenir dans les donjons. Voilà. Mais du coup, à partir de là, il faut qu'on ait la chance de tomber sur... Eh, tout à fait, monsieur, oui. C'est où la suite? Merde, c'est où la suite? Bah, on a la carte de l'étage, j'ai l'impression, parce qu'on a déjà des cases à l'avance. Oui, on a la carte. Ah! Oh, c'est eux! Parfait. Je les reconnais. À mort. Alors, il en fallait pas beaucoup, hein. J'en ai eu un. Ok. Alors, ne tue pas le machin du milieu, il en génère. Ah, d'accord. Aïe. Ok, bien wesh. On farm. Vas-y, un chacun. Parfait, bah ça va être rapide. T'as combien d'ailes de chauve-souris? Je sais pas, attends, je vais dans le menu. Où est-ce que tu vois ça? Dans inventaire, butin de monstre, c'est ça.
Et ça ressemble à quoi? Ah oui, je... voilà. Ça s'appelle juste L. C'est juste L, c'est ça. Ouais, j'en ai 8. J'en ai 8 et aussi. Et j'ai 5 noyaux électriques. Ok, alors normalement, toi, tu as assez de noyaux électriques. Je crois qu'il en fallait 4. Moi, j'en ai 3. D'accord. Bah, je te laisse prendre. Oh, ouais. Dans le doute, monte à 6. D'accord. Bah, ah, je te laisse quand même prendre les deux premiers, on va dire. Et allô puis, enfin, les 3 premiers. Et puis, tu es éteint? Tu marches plus? Oh, merde. Ah, il est cassé. Aïe. Oh, bah. Oh, bah. Non, il est il cassé. Il a déjà bien rendu service. Hein. De ouf. Merci à lui. D'ailleurs... Alors normalement on peut gérer à partir de là. Hein. Parce qu'en vrai... Voilà, si on meurt c'est triste. Hein. Mais du coup on n'a pas le choix... Alors comment ça se passe? On n'a pas le choix de mourir? Deux. Est-ce qu'on peut sortir proprement maintenant qu'on a fait le champion? Je sais pas mec. Peut-être qu'il faut quand même aller au dernier étage et... Alors dans ce cas-là, je serais d'avis d'aller vers le dernier étage. Il y a un téléporteur là-bas. Ah. Ah oui, non mais attends, viens on va vers le troisième étage directement. Mais toi t'as pas assez de noyaux encore. Bah à la limite on peut se donner des objets. Donc si je me rappelle bien et que c'était bien 6 et 4, dans ce cas là on a pile ouais. ce qu'il faut. Et à partir ouais. de là si on peut sortir, bon on sort. Sinon on peut sortir, Nick c'est vous. Non. Bah direction l'étage 3, allons péter des gueules. Hein. Allons et manger des... Je sais pas si c'est rentable en vrai vu qu'on est dans un bon début de jeu. Je me pose la question parce que ouais non, laisse, non je laisse, pense laisse, pas. Laisse, laisse. Autant qu'on garde. Aïe ouais. Les PO. Wesh. Tant qu'on garde les PO pour le prochain donjon qui va nous donner race de thunes. Oh j'avoue. Ok. Là c'est des 5, 2 et trucs comme ça. On va choper des 500 là au prochain donjon. Oh j'avoue. Attends parce que là on a fait des donjons avec 7000 de moyenne hein. Incroyable mec. Donc le prochain donjon ce sera 10 000 minimum hein. Ah non mais c'est vrai. Waouh oh, oh. Mon dieu nope. Ok. Bravo. Oh. Oh mais cette maîtrise de la téléportation. J'avoue. C'est par où la sortie hein. Bonne question. Je crois qu'on est dans une pièce. Ah, la sortie elle était en bas à droite. On s'est un peu pris au jeu de la salle là, je crois. Ouf. Ah, ça ne peut pas passer. C'est là. C'est là, c'est là. Oula. Ok. Ok, ok. C'est le par grand contre, nettoyage les PO, de ça train. Fait hein? Par contre, les PO ça fait plaisir. Ouais. Puis, mine de rien, on chope quand même assez de gemmes pour une petite amélioration quand on va revenir au village. Ouais, vite fait. Hein. Après. Bah, quand même, 500. Ça va quoi. Ouais. On est sur un début d'engagement genre, fiscal. Genre, tu vois, genre stamina typiquement, vu que t'as pas encore beaucoup monté, ça va coûter 100, 200 là. Les oh, j'ai regardé. Ça va faire déjà, si, j'ai pris le niveau 1, le niveau 2, c'est 300 quand même. Bah, tu vois, t'es déjà à plus de 2 upgrades. Youhou. Vas-y, vas-y. Bah, mec, t'es content normalement, 2 upgrades. 2 upgrades pour Noël dans une pochette surprise des upgrades. Dans une pochette surprise des upgrades. Merde. Saloperie. Ok. Bah, c'est surtout un ensemble de petites récompenses sympathiques. Voilà. Ok. Rapproche des 1000 quand même. Bon, ah, 1000, qu'est-ce que c'est? Ah mais ça c'est vraiment fils de bourge là. Espèce de sang de bourge. Ça y est, il sait plus d'où il vient. Hein. De ouf. Mec, il y a 4 épisodes, genre il aurait jamais dit non à 500 et là il est un peu drôle, franchement, qu'est-ce que c'est. C'est ça, terrible. Wow oh, c'est... Ouais, moi je fais pop des coffres. Ça tu vois, je trouvais ça bâtard. Genre vraiment, la descente de l'escalier c'est un trou. J'avoue. En attendant, moi je fais pas pleuvoir de la maille. Je vois rien. Il y a trop de trucs. Qu'est-ce qu'il dit? Par là. Bien joué. Hein? Oh, je ne sais plus où je suis! Je ne sais plus où j'habite! Il y a des TP de partout. Les 3 sorties. Ah, la clé de boss. Oh, c'est exactement. Bah, c'est exactement la même. Même manière de la récupérer. Alors, attends.
Papepipopu. Papepipopu. Il faut que tu tombes sur le TP. Voilà, descends. Voilà, voilà, exactement. Ok. J'arrive voilà. Ici. Je vais ici. Voilà. Je monte ici. J'ouvre ici. Tu descends à droite, tu descends à droite, tu descends à droite. Je descends à droite. Voilà. Je monte à droite. Ensuite, tu vas vers le haut. Monte à droite. Tu dis bonjour à Thierry. Vers le haut. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Chanté Thierry. T'appuies sur le bouton comme moi. Clac, clac, clac. Aïe. Bravo. Voilà. Ces petits slims n'avaient qu'à bien se tenir. Ces petits slips n'avaient qu'à bien se tenir. Nani. Oui. Ah bon, on est tombé dans une pièce unique. Y'a rien à faire ici. Encore 46. Et alors attends, du coup... Ah, faut aller vers le bas, gauche bas. Gauche bas. Ah, attends, comment on fait pour aller là? Ici. Oh, là. On peut bomber. Là. Ah, c'est toi. On peut bomber. Ah non, t'as pas la clé. Ah, on peut bomber, j'ai des bombes. Moi aussi, j'ai des bombes. On peut bomber. Mais... Ah oui, merde, faut les lancer. Alors c'est une première, qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, oh bah tip top. Ah, ils ont pris en compte le fait que dans l'inventaire on avait des bombes pour nous. Enfin, le sac de bombes pour nous balancer un petit changement sur la salle, c'est rigolo. Tu penses? Parce qu'en vrai, ouais. On en voyait déjà avant, juste on avait pas les bombes. Hein. Oui, mais là c'était pour avoir la clé pour avancer quand même. Tout à fait. Let's go. Quand même. Ok. Aïe, aïe. Ah, toujours aussi impatient hein, quand il y a de la bave. Quand il y a de la. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est dégueulasse. Toujours aussi impatient quand ça bave. la sortie. Eh, mais attends, mais il n'y a pas d'autre sortie ici. Si je crois que je crois qu'on est dans une salle unique. Bah oui, mais bon. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Bah merde, je sais pas, un truc. Ah si, non, il y a une porte. Une porte, une porte. Voilà. Hein? Oh! Bien ouais, c'est ça, bienvenue, c'est plaisir. Ok. C'est marrant parce que, genre, on farm bien plus que dans les autres. Et on a mille fois moins. C'est un peu triste. C'est aussi que ça va plus vite de farmer, c'est pour ça qu'on le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, le temps de faire un écran, c'est le temps qu'on met pour battre un ennemi. Ouais, mais regarde, on a 1800. La vérité, si on avait fait une salle et demie dans le dernier donjon, on aurait plus. Ah bah oui, mais en même temps, on prend beaucoup moins de risques en étant dans ce donjon que... Ouais. En étant dans celui. Mais par contre, tu as dit, troisième donjon, meilleur pour farmer. Pour le moment. Non mais attends, c'est facile en vrai. Ah vraiment, on recommande. Hein. Ah ouais. Moi j'ai mis 5 étoiles sur Yelp. Hein. Il m'énerve. Mais non mais t'as envie de retourner au donjon 2 toi? Pour moi, vous savez, retourner dans un donjon... Donjon 2 qui pue le marais. Si on me le demande. Hein. Ah, attends, parce que là en gros, la salle de boss, c'est la seule... Où en gros on n'a pas été. Rien. Sauf que. Il doit y avoir un passage secret. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas le trail. Voilà. Bien. Ok. Donc de retour. Putain, encore ici? Oui. Oh. Ah oui, c'est au-dessus. La clé du boss. Les pierres. Greux. T'attends. On n'avait pas la clé du boss? Bah si, si. Enfin, non, okay. On l'avait pas. On a dû aller à droite d'abord. Putain, littéralement, on a dû poncer le donjon. Oh bah mon gars, ça faisait longtemps. Oh de ouf. Mais longtemps, on s'est pas vu, toi et moi. Ah. Attends. Attends. Il a commencé par ça la pire attaque. Hein. Ah, vous, ça t'a manqué. Non. Ouah. Eh bah, c'était bien. Merci, au revoir. Eh bah, c'était bien. On est venu pour quoi, déjà? Ah oui, la pelle. Oui, c'est vrai, on est venu pour se crafter une pelle quand putain, même. On est juste venu pour une pelle. Hein. Que venez-vous faire dans mon temple, body? Bah, nous, on a juste besoin d'un mais peu de bois pour faire une pelle. Mais alors pourquoi me tuer? Je ne faisais que mon boulot. C'est ça, je suis pas assez payé pour ces conneries. La sécu. Je m'assurais de bien nettoyer. Ok. Le mec qui passe aspirateur dans le donjon et tout. Ok. Donc on peut retourner en ville. Allons voir Nick. Un morceau de monstre là. Oh. Et du coup on va pouvoir pelleter le sol. Ah oui. Oh bah un plaisir avant tout. Quoi. Plaisir avant tout. Plaisir partagé. On va s'occuper de l'affaire. Attends mais... c'est bon, il y a une nouvelle quête. Attends. Où ça? Là. Ah, c'est peut-être un villageois encore. Ah à chaque fois tu penses?
De plus en plus de gens veulent emménager. Ouais, c'est ça. Ah, les gens. Eh ben, on va installer le gens à côté des autres, alors fera des voisins. Je vois qu'on a été équitable, j'ai vu 51-49. Je tiens à être actionnaire majoritaire. Merde. Ce pourcent est très important pour moi. Je suis maire de plus de 1% que vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler la police? Elle m'appartient. Nick. Tu vois, ça donne tout de suite un autre tour. Ouais, hein, de ouf. Hein, oh merde, ça a été trop vite. Vas-y, toi tu peux l'acheter normalement, moi il me manque un élément. Ah, mais pourquoi j'ai pas la boutique? Merde, en fait, il a dit quelque chose d'intéressant. Non, c'est bon, il faut juste le pointer, il faut juste bien le pointer. Voilà. Ah. En gros, des fois t'as pas la boutique. Vas-y, moi j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Ah, oui. En fait, faut le regarder droit dans les yeux. Mec, c'était 6 noyaux électriques qu'il fallait. Oh non. Alors, ce qu'on va faire. Tu peux m'enfiler un, oui, s'il te plaît. Bah voilà, ce que j'allais te dire, c'est que moi la classe ne m'intéresse pas. Vas-y, tu peux être un frère. Allez, un petit noyau. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a fait le donjon. Donc, à partir de là, normalement. Le mec a abandonné l'appel, c'est mort. C'est ça. Hop, j'ai l'appel, une pelle robuste, employée pour labourer la terre et planter des cultures, mais qui pourrait également servir à déterrer des choses oubliées depuis longtemps. Je vais devenir fermier. Alors, du coup. Est-ce qu'on peut faire la ferme? Bah écoute, il faut qu'on aille à la grange pour ça, pour choper les outils agricoles, mais pour ça il faut le banc. Oui, alors attends, moi je veux savoir un truc. Parce que le premier trou de l'univers qu'on ait vu, il m'a tout de suite intrigué. T'en vas pas du village, hein, t'en vas pas du village. On a 2000 balles à dépenser. Mamie, debout. Je veux acheter les classes. Ah, chevalier et sorcière. Ah là, sorcière. Attends. Oui. Experte en potions. La sorcière peut débloquer en alliant Abigail. Chevauche ton balai pour te déplacer rapidement et planer en toute sécurité au-dessus des pièges. Mais quoi? C'est trop rigolo. Ah oui, d'ailleurs. La babidi. On a fait le bâtiment avec la pêche et faut qu'on aille chercher le fil de pirate. Attends. T'as vu ou pas? Non, la magique à bout, la babidi. Oh. C'est trop rigolo. Attends, moi j'achète, hein. Ah bah vas-y. Moi je veux les classes. Travestis-toi. La magica... Je suis quoi, là? Là je suis archer. T'es voleur. Ah, archer, d'accord. Oh, je peux courir en mode Naruto. C'est quoi ce sprint? Faut faire des Naruto style. Ah, et du coup, il faut qu'on retourne à la chambre. La magica bou, la babidi... Avant d'aller à la chambre, go aller voir le pêcheur. On avait fait le bâtiment de la pêche, je sais plus où tu l'avais posé. Là où on peut, c'est-à-dire en bas à droite, en bas on gauche. On peut avoir un fil aussi, peut-être avec lui, de pirate. Ah, bien vu. Oui, je crois d'ailleurs qu'on nous en avait parlé. Oui, chez la personne qui vend les fils. Bonsoir. Merci pour cette maison sur le quai, je pourrais y passer tout mon temps à regarder les vagues. Ça te donne envie de pêcher, non? Hein, comment ça, tu n'as pas de canne à pêche? Bon, écoute, on va démerder toi. Trouve-moi du bois et du fil, moi, matériaux du même genre, et je t'en fabriquerai une. Je parie que si tu trouves des monstres constitués de bois et de plantes, ils laisseront tomber pile ce qu'il te faut. C'est pas merde, alors. Ah, mais je me suis pris pour toi. Ah, tu peux le faire, toi? Bah, ouais, vas-y, hein. Bah, moi, je peux pas. Vas-y. Ça a l'air parfait, donne-moi une minute, je peux le fabriquer dans un gain de balade, j'en ai rien de temps. Oh, mec, il a fait une ellipse. Tiens, en échange, attrape-moi un truc énorme, bah, d'accord. Mec, il a obtenu pelle d'attraper un truc énorme, et canne à pêche. Y'a rien de tel que ces dernières scellées. Oui. Mais ah, peut-être toi, là. Y'a quand même... on dirait que Willy et toi avez fabriqué une canne à pêche sympa. Y'a quand même deux héros qui sont venus agresser une petite fille de 5 ans. Emily. Apportez-moi des prises à exposer. Tu peux également consulter les journaux pour voir combien de poissons différents tu as trouvé et attrapé. Tu parviens à m'apporter 3 poissons légendaires. T'as bien un cadeau exceptionnel t'attend. Ça doit être comme ce ça qu'on a c'est la classe Zelda, qui pêche Star du Valley, pirate. Animal Crossing. Il faut ramener des... qui va là. Ça m'a l'air d'une journée parfaite pour aller nager. C'est le gars de la salle de sport. Ok, donc il faudra 3 poissons pour avoir le fil du pirate. Ok. Et l'en soit ainsi.
J'ai pas de légumes. Tu voulais aller à la chambre pour regagner ma classe. Pour avoir ma classe. Eh bien, je t'en prie. Piche, piche. Ah, attends, comment je change? Ça, c'est mes statistiques. Merde, comment on change? Attends. Ah, j'ai ma mère. Ah bon? Rompiche, rompiche. Fais select abandonner la partie pour voir. Moi, ça m'a remis dans le lit tout à l'heure quand j'étais en solo. Attends. Je remets là-dedans. Ah bah non. Ah si. Ah, bonsoir. Bon, bah vas-y, c'est tombé. De toute façon, on arrive sur une fin de session en vrai. C'est pas grave. Je changerai pour la prochaine fois. Regardons les quêtes. Est-ce qu'on a pas un petit truc qu'on peut accomplir en 10 minutes? Terminer. Je sais pas combien de temps elles mettent. Collecter toutes les classes. Le mausolée, du coup, maintenant on pourra la tenter parce qu'on a la. Il faudra qu'on aille, tu sais, là où il y avait le fantôme. Et on utilisera la pelle dans le jardin là. Ah bah tiens, allons faire ça. Je voulais voir le trou qu'il y avait juste à côté du village, le tout premier trou qu'on ait vu juste avant le premier donjon. Allons-y. Le trou original. Le trou original. J'ai même pas fait gaffe, je suis quoi comme classe? Archer, je crois. Yeah. Naruto. Je suis chaperon rouge, hein. Naruto. Oh là. Naruto. Impressionnant. Là. L'avantage, c'est qu'il n'oublie pas son nom à force de répéter. Naruto. Attends, t'as bien creusé là? Ah oui. Ok. T'as une sphère. Naruto. 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 Par là. Naruto. Ça va être dur avec cette classe, je le sens. Naruto. Et il s'appelle comment? Question stupide, madame. Quel fut son premier mot? Ah. Le même que celui qu'il a conservé depuis tout ce temps. Naruto. Ah oui, marteau. Même quand il pète les rochers avec son marteau, on a l'impression qu'il le crie. Naruto. On y est. Bien. Naruto. La vie de fantôme. Ça fait peur, hein, quand même. Hein. Alors. C'était où déjà le trou? Et qu'est-ce rappelle? Il est là. Tu l'as? Tu le vois? Oula, c'est quoi cette merde? Explorer les montagnes! On a chopé la clé. Hein? Ah, c'est la clé du cimetière! Eh oui! Pitié, sauve ma famille, qu'il a dit. Il a cassé les petits knes de la quête! Attends, y'a quoi par là? Oh, parce que tu veux dire, c'est très épique! Let's go! Ah, on est pas au bon endroit! Ah, y'a un trou! Oh. C'était prévu! Naruto! Le bruit quand il court! Il est insupportable! Il a l'air tellement surcaféiné avec ce perso! Merde, c'est pas par là! C'est par là! Oh. Pardon, c'est dur. On va au donjon là. Non, à droite. Non, attends. Tu le dis. Non, attends, t'as raison. Attends. Ah oui, c'est vrai, c'était à droite. La caféine lui a pris son cerveau là, pas du tout. Si je marche deux fois plus, ça doit forcément être bien, non? J'ai sorti ma vieille lanterne. Voyez, allons-y. Ah. Bonsoir. Oula, 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 oula. Beaucoup de zombies. Oh, ils lootent des morceaux de zombies. Quoi? C'est vrai? Oh, c'est trop stylé. Resident Evil. Oh. Mais attends, mais mec, mais c'est trop rigolo. Le mal qui réside. Le mal dedans. Oh, c'est quoi? Lire allumé. Ouvre la barrière. Ouvre la barrière. Alors attends, est-ce que je peux l'allumer avec ça? Ah, je peux l'allumer avec ça. Des zombies! À l'infini! Zombies! Zombies! Est-ce que c'est grand?
Ah, quand même. La flamme éternelle. Allume. Comment t'allumes? Avec l'entorche. L'entorche, enfin, j'ai pas compris. La lampe torche. Par contre, faut vraiment... Naruto. Par contre, si tu pouvais un petit peu... Ah, là, il y a un truc à pelleter. Faut pelleter. Rends-toi utile, merde. Il est terrible. Attends. Il faut pas qu'il touche cette place, il devient méchant. Attends. Je crois... Y'a pas un genre un ordre ou un truc comme ça. Je pense surtout que c'est comme d'hab, c'est une histoire de vitesse. Ah. Je pense, de ma grande expertise des donjons de ce jeu. Non mais tu sais, jusqu'à présent, tu sais, c'est toujours une histoire de vitesse. Et t'as raison, y'a un ordre. Ah. Y'a un ordre. Quand la lueur du brasier, bah ça fait une phrase en fait. Ah. Alors, visiblement, on s'en bat les steaks, ce qu'il y a sur les statues, très bien, j'ai compris. Non, t'as raison, faut lire. Alors attends, lisons. Selon des joueurs, ouvre la barrière. Ah, je vois pas, il y a un truc. Attends. Donc moi, ouvre la barrière. Donc ça doit pas être la première phrase. Au tréfonds de l'obscurité. Ah, commence. C'est toi qui as le numéro 1. Ouais, au tréfonds de l'obscurité. Gna gna gna. Au tréfonds de l'obscurité. La flamme éternelle. Est-ce que c'est bon de ton côté? Est-ce que ça a validé? Et le monde d'en bas se révèle. Ça doit être le dernier. Ouais, je pense. Attends. Donc. Quand mes couilles sur ton front s'active. Ah, donc ça a pas marché. Un truc pour noter. Blablabla. En vrai, il faut qu'on continue de garder un petit écart pour voir la zone. Quand la lueur du brasier. Ok, on va commencer par celui-là. Quand la lueur du brasier. Il y en a beaucoup. Bah, limite, quand la lueur du brasier et après l'autre, là, on croyait que c'était le premier. Jette une ombre sur la pierre. Ah! Ah, c'est bien. Reviens vers ton spot qu'on voit si ça valide. En fait, faut toujours vérifier le précédent. Ok. Bon, la lumière, machin, ok. Oui, oui. La pierre, bidule chouette. Ouvre la barrière, tu penses que c'est ça? J'actionne. C'est pas bon. C'est un non. Ok, recommence par le tien. Le premier, c'est là-bas. Tu fais le schnorr, je fais le sud. Hop, oui. J'ai fait le mien, donc là on est à 2. Ok, blablabla. Oui. Est-ce que c'était celui qui était en haut à gauche? Tu penses? C'était quoi déjà? Oui. Rappelle pas. En haut à gauche. Ouais, par contre, c'est vraiment un lieu de farm à pièces. Tu vois là? Bravo. Non, c'est pas ça. Ensuite, c'est lui? Non, c'est pas ça. Ah merde. Reset. Ok. Utilise ta tête, mais pas comme ça! Ok, alors attends. Tu l'as activé? Donc c'était quoi? Est-ce que t'as activé le premier? Oui, j'ai activé le premier, mais apparemment il y a eu le son du c'est pas bien. Moi j'ai pas vu activer, hein. Je t'ai pas. Oui, j'ai activé, je te dis, il est actif. Je t'ai pas vu activer, j'ai pas entendu le poupou. Bah, c'est pas. Écoute, c'est pas parce que t'as jamais vu de licorne que. Mais là c'est pas bien, t'actives pas le bon deuxième là. Ah bon? Oui. Ah merde, C'est celui qui est ici le deuxième, je crois. Attends. Non, pas du tout. Celui qui est en haut. Attends, non, c'en était un sans hôtel. C'en était un sans hôtel. Sans hôtel. Ça devait être sûr. Ah, ça devait être lui. Alors attends, je réactive. Ok. C'est activé. Attends. Recheck. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Merde, c'était où déjà? Non. Donc. Je crois que c'est pas celui là-bas. Number one. Non, c'était. Allez. Je crois que c'est pas lui là. Mais si, c'est lui. Mais. Hein? Mais c'était pas ça tout à l'heure. Mais si, c'est juste que c'est complètement taré. J'étais complètement fou. Naruto. La flamme éternelle. Vas-y. Ça a marché? Ah, apparemment c'est pas bon. Mais attends, mais t'entends un bruit toi? Oui, j'entends un bruit qui fait newt. Newt. Tiens, vas-y, fais le deuxième, okay. Super. Non, ça a désactivé le tien. Mais non, ça a pas désactivé, il a encore allumé le mien là. Non, il est pas activé chez moi. Eh ben, je détiens la vérité. Ah d'accord, bon, ok. J'ai pas eu le bruit de newt. Newt. Et c'est encore. Attends, ce que je vais faire, c'est que vas-y, moi je reste écarté comme ça, tu vois tous les points. Pardon. Voilà, par là. T'entends avec lui. Ça, c'est pas bon. Ok. J'ai entendu Newt. Donc c'est moi qui ai le premier ou c'est toi? Non, c'est moi qui ai le premier de l'autre côté. Ok, vas-y, active-le. Le premier, c'est celui qui est ici. Ok. Vas-y.
Ok. Ensuite, merde. Ensuite, j'active. Voilà, le deuxième, super. Ok, cette fois ça a bien marché. Alors ensuite. Ensuite. C'est lequel? On avait trouvé en plus avant. On n'a pas été plus loin que deux. Hein. Ah non. Je crois que c'est lui. Ça a marché? Bah tu l'as activé en quatrième, donc j'ai pas vu si le troisième était bon ou pas. Ah, t'en avais activé un. Oui. Mais tu me regardes plus comme avant. Tu m'as dit que ça faisait des bruits, moi je t'écoute. Hein. Donc je vais réactiver celui que j'avais activé. J'ai entendu un bloop. Ça m'a l'air pas bon. Ouais, j'ai entendu un bloop. Hein. Je crois que le mien était bon. Ok, bah attends, on le tient là. Ok. Tire ta tête. Ok. Aïe. Heureusement que vas-y, on est bon. Le... Hein. Voilà, ah, celui-là, bon, hein. Celui-là où tu es. Hop, ok, c'est bon. Ok, donc ensuite. On est à 3. Il y en a 5. Il y en a 5, en vrai, on est à ça. Hein. Moi, j'ai envie de tester lui. C'est oh, bon. Attends, parce que attends. Je sais qu'on a déjà testé l'autre. Celui-là. Celui-là, on a dit, c'est le dernier. Beau gosse. Voilà. Je t'ai vu aller l'activer. Je me suis dit, beau gosse. C'est ouvert. C'est ouvert. Allez, go. Hein. Au tréfonds de l'obscurité, quand la lueur du brasier jette une ombre sur la pierre, la flamme éternelle ouvre derrière et le monde s'en va, se révèle. Faut pas y aller. Oh oui. Tu t'approches du mausolée. D'accord. C'est bien. Débarrasser. Ah, c'est un donjon en fait. Ah, c'est un donjon spécial. Bah écoute, mec, on vient de l'activer pour la prochaine fois. Oui, dis non. Non. Ah, mais c'est moi. Et bah du coup, ok, bah la prochaine fois on commence par un donjon spé. Cool. Attends. Très bien, comme ça j'aurai ma classe. Juste... Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que je dépense ma thune. Alors juste sors et re-rentre pour voir si c'est toujours actif ou s'il faut refaire le code. Oui. Je pense que c'est bon, mais dans le doute. Tac. Non, c'est bon. Toujours allumé. Merde. Super. Pas le bon endroit. Je checkouille. C'est bon. Ouais. Ok, bah cool. Bah, la prochaine fois, on a un donjon spé. Au village. Yep. Comme ça, je dépense mon argent. Parce que je vais oublier la prochaine fois, je pense. Naruto. Et nice. Ouais, comme ouf. Ça, la prochaine fois, bah, je pourrais pas acheter ma classe tout de suite. Parce que Ah, mais remarque, si c'est un donjon, on va choper des gemmes dedans. Donc, c'est cool. Ouais, reste à savoir la difficulté qu'il y a avec ce donjon. Parce qu'en vrai, la pelle. Ouais, on peut vu que les zombies autour étaient niveau 2, à mon avis, ça va être comme entre le premier et le deuxième. Ouais, mais en vrai, ce qui faisait leur force, c'était le nombre et le fait qu'ils repopent un peu à l'infini. Ah oui, pardon, tu veux dire que ce sera un donjon à zombies? Je veux dire qu'au niveau du niveau des monstres, ce sera comme le premier ou le deuxième donjon. Quoi. Mmh. Ouais, je pense que je pense même s'ils étaient nombreux, c'était des niveaux 2. Quoi, ah, attends, moi je voulais l'infirmerie. Alors, tu veux l'infirmerie? Elle est là. Juste là, mon petit gars. Mon petit gars! Let's go! Et j'ai 264. Est-ce qu'il n'y a pas des gueux qui cherchent une maison? Moi je voudrais aller au truc de stamina avant, ça te dérange ah, pas. Ah, stamina, mina, waka waka, stamina, mina, sanka de wa. Mais du coup, il nous a dit qu'il restait un seul donjon, mais techniquement. Sans compter les donjons bonus, ouais. Enfin, le donjon bonus du mausolée en tout cas. Non, pas que ça, mais parce que tu sais, à chaque fois qu'on finit un donjon, on obtient une espèce de pièce de rune là. Et on a vu qu'il y avait un bâtiment un peu ultime. Oui, bah ça c'est un autre donjon encore, c'est le dernier. D'accord, donc c'est vraiment le donjon ultime. Le donjon de la fin des temps, quoi. Ok, bah en fait je pensais que j'avais déjà engagé des trucs là-dedans, j'ai rien engagé du tout. Par contre, ça coûte si peu cher, je vais tellement tout le sécher la prochaine fois. Si j'y pense. Non mais écoute, moi c'est bon. Ah là. C'est bon? Et bah parfait, bon, bah écoute, monsieur Dia, on a encore bien avancé aujourd'hui. Hein. Bravo! Franchement, eh mec, on a été efficace dans le donjon. Oh, incroyable. Donc, bonjour numéro 3, pouf, le talent est né. Oh, t'as été phénoménal sur le boss. Hein. Comme toujours. Bah écoute, je te remercie pour tout. Encore une fois, très belle découverte. Hein, j'ai hâte de la semaine prochaine, comme à chaque fois. Et puis, bah la prochaine fois, mec, attends, je regarde un peu la map. On va se faire le cimetière. Et ensuite, on partira tranquillement vers le Schnorr. Et en fait, il y a tellement de zones qu'on n'a pas découvert, en fait. Et oui, mais l'avantage c'est que vu qu'on aura les objets dans les quatre donjons là, on sera moins bloqué par l'exploration quand on voudra explorer là-bas. C'est vrai. À voir du coup comment tout ça se conclut. Bah écoutez, et puis vous avec un peu de chance, ce sera justement avec ce donjon là qu'on chopera les gants pour ouvrir le. Ah, bien vu. Je me demande quand même soit si. Soit il faut faire un autre truc pour les avoir, hein, mais avec un peu de chance. Tu parles du mausolée? Ça serait bien. Je parlais du quatrième donjon. Alors moi je pense que le gant est quelque chose d'optionnel et qu'à mon avis ce sera le mausolée pour l'avoir. D'accord, c'est possible aussi. Hein. Donc le mausolée vu que ça va déjà servir à ce que
je puisse choper ma classe. Je sais pas si on aura une autre grosse récompense avec, mais on verra. Je sais pas, bah écoute, on verra d'ici là. Hein. Bon bah monsieur Dia, de gros bisous, à très vite. Oui, bien sûr, oui. Des bisous YouTube.